se retrouve pour les énergies sentimentales du milieu de mois, voilà, milieu de mois d'avril. On va aller voir un peu ce que nous a apporté le printemps pour ces énergies sentimentales. On va faire comme on a fait le mois dernier. Voilà, bah, prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est une autre histoire. Voilà, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, le Vénus aussi. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, vous avez toujours mes coordonnées en barre d'infos et sur l'écran pour avoir une guidance personnalisée. Évidemment, ça ne vous parlera jamais aussi bien que si vous prenez rendez-vous directement, parce que cela va vous concerner personnellement. Voilà, il reste encore des créneaux pour cette fin avril, donc n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis, abonnez-vous si mon travail vous plaît. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de mois d'avril. Et puis, plein d'ondes positives pour vos histoires d'amour. Prenez soin de vous et restez positifs. Et on y va tout de suite avec les signes. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec... Donc vos énergies sentimentales pour la fin du mois d'avril. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant cette quinzaine. Alors, on voit ici avec la distance géographique et le flirt qu'on est un petit peu dans évidemment dans la prise de distance. On est dans la légèreté. Pour moi, ici, j'ai des béliers qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Qui prennent les choses comme elles viennent, d'accord? Alors, ici, on a envie de sincérité, on a envie peut-être que les choses bougent, mais dans le bon sens, ok? Pour certains, en tout cas, il y a, alors évidemment, on a Cupidon ici qui vient semer un peu le doute, un peu le trouble, on va dire. On a une espèce de légèreté, envie d'avoir peut-être une nouvelle histoire, envie d'avancer sur sa vie sentimentale en allant à la rencontre des autres. Peut-être ici que pour certains, il y a un coup de cœur, mais avec quelqu'un qui est à distance. Okay? Alors, je dis que c'est un coup de cœur parce que, bah, évidemment, on est dans le flirt, on est dans l'éphémère, on est dans quelque chose qui va être ponctuel, ok? Peut-être parce que justement, on recherche la sincérité. On recherche peut-être quelque chose. On voit hein, ici, la personne, elle a un anneau. On cherche peut-être à s'engager. On cherche peut-être quelque chose de plus profond, de plus. Alors, sincère, honnête, c'est sûr. Parce qu'on voit ici, avec la carte en dodec, qu'il y a quand même des petits sentiments de jalousie, des petits sentiments de suspicion, peut-être. Qui sont, je dirais, en rapport avec cette distance. Ok? Alors, si vous êtes dans une relation à distance, il est possible effectivement que vous ayez envie, on va voir la suite, on va recouvrir, hein, mais vous ayez envie d'aller plus loin dans cette relation, de la rendre un peu plus, j'ai perdu le mot, engagée, c'est pas ce mot-là, mais bon, un peu plus. Concrète, d'accord? On a envie de s'engager sincèrement avec cette personne, mais du fait de la distance géographique, on voit bien ici que, eh bien, ça engendre peut-être de la suspicion, on doute de l'autre, on n'a pas confiance, voyez, ça peut être ici des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a une idée de se rapprocher, d'accord? Peut-être physiquement. Ne serait-ce que par une invitation, en se déplaçant pour aller voir l'autre personne. Ou peut-être ici qu'on est en train de bouger aussi dans sa façon de voir les choses. Peut-être que jusqu'à présent, on était dans la légèreté, on n'avait pas trop envie de concrétiser quelque chose de sérieux, de s'engager. Et voilà, on voit peut-être qu'ici, on est en train d'évoluer par rapport à ça. Alors, on va aller voir avec un autre oracle comment ça se... Ça s'annonce. Alors, on y va. Sur la distance géographique.
Oui, il y a la carte de la jalousie qui revient. Donc pour moi, il y a vraiment bien quelque chose. Alors, soit on prend de la distance avec tous ces sentiments un petit peu négatifs. Vous savez, on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre. On a des blessures qui ne sont pas soignées. Donc du coup, ça engendre peut-être un phénomène effectivement de jalousie. Okay? Soit on est dans une relation à distance. Et là, effectivement, il y a ce style de sentiments, d'émotions qui va venir alimenter un petit peu la relation et qui va peut-être vous faire douter de la sincérité de votre partenaire. Okay? Ou en tout cas, vous faire douter de l'engagement que vous voulez avoir avec cette personne. Voilà, sur le flirt. Ouais, on sent ici qu'il y a quelque chose qui est un peu difficile à passer, hein. Donc, je pense que ça peut être des sentiments qui sont vraiment les vôtres, parce que ben, on a vraiment ce côté. Peut-être. Alors, j'ai autre chose aussi. C'est peut-être effectivement que vous avez connaissance du côté éphémère de la relation. Peut-être que votre partenaire ne s'engage pas comme vous le souhaitez. Okay? Il y a peut-être un manque de sincérité dans la relation. Et du coup, ici, il y a tout un esprit de votre part, alors, je ne dirais pas de vengeance, parce que c'est un mot qui est quand même assez fort, mais voilà, ça rumine, ça. Peut-être qu'on a envie de faire la même chose, voyez? Et du coup, ben, ça va alimenter encore plus, peut-être, cette distance qui est déjà peut-être géographique et qui va en plus être ici mentale avec votre autre. Ok? Ça, c'est possible aussi. Oui, vous voyez, il y a une question de confiance. Ici, on voit bien qu'il y a vraiment une question de confiance. Peut-être ici qu'il y a eu un coup de canif dans le contrat. C'est possible, ok? Ou peut-être à cause de la distance, ça reste du mental, hein, ça reste des idées, des films que vous vous faites parce qu'il y a cette distance géographique. Okay? Si vous n'êtes pas en relation, il est possible que vous preniez de la distance avec toutes ces blessures que vous avez, ce manque de confiance en vous, le manque de confiance en l'autre, même s'il n'existe pas encore, okay? Du fait d'anciennes expériences, d'anciennes blessures, et qu'ici on aille vers peut-être une nouvelle histoire, on va voir. Oh là là, il y a trop de cartes du coup. Alors, énergie féminine, l'instant présent. Ici, avec la carte du Cupidon, effectivement, on a l'impression qu'il va falloir peut-être se consacrer sur ce qui se passe dans l'instant présent. Vous ancrer dans ce que vous faites au jour le jour, sans pour autant penser à vous projeter, ne serait-ce que le mois prochain, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ici, on voit bien on a échec sur jalousie, on a quand même quelque chose qui vous met en échec. Ça peut être simplement ce mental qui est un peu trop présent et qui alimente encore les blessures parce qu'elles ne sont pas guéries et qui fait que vous n'avez pas du tout confiance, soit en votre partenaire parce qu'il est à distance, soit parce que vous prenez justement, vous êtes. Comment je pourrais dire ça? Vous avez une suspicion, d'accord? Vous avez peut-être voilà, ce manque de confiance qui fait que bah, ça alimente toujours ces blessures. On vous dit ici de vous focaliser sur l'instant présent. Cupidon, pour moi, c'est une énergie d'amour, d'accord? C'est une énergie nouvelle. C'est peut-être un coup de foudre. C'est peut-être quelque chose d'inattendu qui pourrait vous arrivez si vous vous focalisez sur l'instant présent et non pas sur tous ces sentiments un petit peu désagréables dus à vos blessures. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi la carte de la distance, parce qu'il va falloir peut-être prendre de la distance avec le flirt de la légèreté pour pouvoir retrouver cette idée d'amour sincère, d'envie, d'ouverture avec les autres, avec une autre histoire, avec. D'accord? Donc prenez ce qui résonne, il y a plusieurs messages ici. Mais l'idée, elle est là, ok? L'idée, ce serait vraiment, sur cette fin du mois d'avril, de prendre des moments pour vous, d'être plus léger, plus insouciant, de lâcher prise,
soit sur votre relation s'il est à distance, soit sur toutes ces blessures et tous ces sentiments un peu négatifs qui vous animent pour pouvoir ici ouvrir la porte à quelque chose de bien mieux qui est cette énergie féminine d'amour, de bienveillance, de douceur et pourquoi pas du coup une nouvelle relation. Okay. Oh là là, ça tombe, trop de cartes. Alors, on va recouvrir en continu. Ouais, voyez, réflexion, introspection. On est vraiment dans cette idée de se dire, je vais réfléchir à toutes ces émotions qui me traversent et qui sont négatives. Je vais réfléchir pourquoi et je vais essayer d'alléger la situation, quelle que soit ma situation sentimentale. Okay, si vous êtes à distance avec quelqu'un, effectivement, il y a un côté, je prends du recul. Je prends de la distance, encore une fois, pour réfléchir à tout ça. Si vous êtes avec personne, eh ben ici, on voit qu'on a quand même cette réflexion autour de ces blessures, de savoir pourquoi on a ces émotions qui traversent. Okay, pour moi, on est en train de réfléchir à l'engagement que l'on veut. Soit avec une vraie personne, parce qu'elle est déjà là, mais à distance. Soit... à distance, alors physique ou mentale, hein, voilà, vous voyez, hein, on peut prendre un peu de recul. Soit on réfléchit à l'idée de cette vie en commun. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour soi? Ok. Je pense que cette fin avril, vous allez vraiment réfléchir, prendre un temps pour vous, vous poser, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui avec cette distance avec l'autre, qu'elle soit physique ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est être plus dans la légèreté, plus dans le flirt, plus dans le ponctuel, plus dans l'éphémère? Ou est-ce que c'est vraiment vous engager avec sincérité dans une vraie histoire d'amour? Okay. Et je pense qu'ici, il y a toute une réflexion concernant, concernant ce sujet. Alors... j'ai encore 4 cartes. Bon, elles ressortiront s'il y a besoin. Clarification, éclaircissement. Vous voyez, on est vraiment encore dans cette idée, hein, de devoir clarifier les choses, soit par rapport à soi, soit par rapport à l'autre. Alors peut-être effectivement, encore une fois, on est peut-être dans une... alors pas forcément une triangulaire, mais un petit coup de canif dans le contrat, moi je dis ici. Ou une petite réflexion qui a mal été digérée. Vous voyez, on est sortis ensemble, il y a eu un regard de trop vers une autre personne, vous l'avez mal pris. Vous voyez, ça peut être juste ça, ok? Et du coup, ben, là, vous avez la réflexion sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation. Est-ce qu'il y a de la sincérité? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que c'est juste temporaire? Est-ce que c'est juste un flirt? Est-ce que moi, est-ce que j'ai envie de cette vie en commun avec cette personne ou pas? Vous voyez, il y a vraiment ça, il y a besoin d'éclaircir un petit peu ce qui s'annonce là. Ok? Besoin d'éclaircir à votre niveau ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. Et on vous dit de lâcher prise. Ok? De lâcher prise, d'accepter la situation telle qu'elle est, d'accepter peut-être la prise de distance, la réflexion, d'accepter que cette histoire n'est peut-être qu'une histoire temporaire, éphémère, ok? Accepter peut-être vos blessures et travailler dessus pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. Est-ce que c'est cette vie en commun? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment toute cette réflexion sur cette fin d'avril qui, à mon avis, va vous mener vers soit une nouvelle histoire, soit un renforcement, une vie en commun avec l'histoire que vous vivez aujourd'hui. Ok. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Plonge à l'intérieur de ton corps. Oh, j'arrive plus à parler moi. De ton cœur, pardon. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà. Allez voir à l'intérieur de vous. Ok, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit d'aller voir ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous ressentez l'amour de l'autre? Ok. Est-ce que vous souhaitez la même chose
qui vous mène vers soit une vie en commun ou en tout cas un engagement un peu plus poussé. Voyez, il y a toute une réflexion comme ça à ce sujet-là. Bon, à voir les béliers, comment ça évolue. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, d'accord? Puis bon, comme d'habitude, hein, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Merci à vous en tout cas d'être là. Passez une bonne fin de mois d'avril et puis ben, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt. Bienvenue les lions, c'est votre tour. On y va pour vos énergies sentimentales pour cette fin de mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. On va aller voir un petit peu comment sont les énergies qui vous accompagnent sur cette fin d'avril. Bon, bah ça va vite, hein. Alors, ici, on a la carte des nouvelles. Ok. Oula. Nouvelles, oui, non. Oula. Bon. Il y a un choix à faire ici, hein, d'accord? On est peut-être dans l'attente de nouvelles. Un choix à faire, peut-être par rapport à quelque chose que l'on vient d'apprendre, une nouvelle de quelqu'un. Est-ce que je réponds? Est-ce que je ne réponds pas? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je vais pas en avoir? Oui, il y a quelque chose comme ça. On va recouvrir, on va aller voir. Hein. Il y a une sorte, je dirais, les lions, une sorte d'indécision, ok? Pourtant, il y a de l'attirance, il y a une envie. On sent que on va aller approfondir tout ça. Mais j'ai l'impression que vous, soit que vous apprenez quelque chose, soit que vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Et ce que j'entends, c'est que il y a une part de vous qui est content et l'autre part de vous qui n'est pas content. Pourquoi? Parce que oui, vous souhaitez des nouvelles et non, vous ne voulez pas que ce soit juste pour le pour alors j'entends bagatelle, ok, juste pour un soir, juste que vous soyez pas sur la même longueur d'onde, j'entends, ok, vous avez peur de ça, j'ai l'impression. Vous, ce que vous voulez, c'est la sincérité. Et j'ai l'impression que on est plus dans la ponctualité, ok? On est plus dans l'éphémère ici. Alors oui, il y a une espèce de satisfaction à avoir des nouvelles. Alors c'est pas forcément des nouvelles directes, hein, ça peut être des nouvelles par l'intermédiaire de quelqu'un, des nouvelles de votre autre, hein, bien sûr. Ça peut être des nouvelles. On apprend des choses sur l'autre. Ça peut être l'autre aussi qui vient vous donner de ses nouvelles. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un refus quand même. Il y a un refus parce qu'il y a une mauvaise. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas envie des mêmes choses. OK? Il y a peut-être ici une énergie de nouveauté. Alors, soit dans une histoire ancienne, ok, dont vous allez avoir des nouvelles, soit ici il y a un refus, effectivement, de plonger à nouveau dans le passé et d'aller ici vers une rencontre qui soit beaucoup plus sincère et beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. Parce que la proposition ici qu'on pourrait vous faire n'est pas en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Bon, c'est ce que j'entends. Ok, on va l'approfondir parce que on sent quand même qu'il y a une indécision ici. Voilà. C'est peut-être aussi une fois je veux bien, une fois je veux pas. Hein, ok, j'y vais pas. On sent que il y a des difficultés. Ok, à choisir ici. Allez, on va voir. Alors sur les nouvelles, voyons voir. Retour, voyez. Pour moi, il est possible que quelqu'un vous redonne des nouvelles.
un ancien crush, une ancienne histoire d'amour. C'est possible, ok? Ce sont les énergies, hein. Ça peut être, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas forcément un vrai retour. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un par l'intermédiaire d'autres. Ok? On apprend quelque chose sur quelqu'un du passé. En tout cas, il y a un retour. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous fasse penser. D'accord? Mais j'ai quand même l'impression que, voilà, il y a une hésitation, hein, quand même. Pour moi, il est vraiment possible que vous ayez des nouvelles de votre autre ou d'un ex. Et que vous ne sachiez pas trop si vous devez lui répondre ou pas. Ok? C'est un peu cette énergie-là que je ressens pour vous, les lions. Il y a une indécision ici. Alors sur le oui. À quoi on dit oui, les lions? On dit oui à l'équilibre. On dit oui à quelque chose d'honnête, quelque chose de juste. C'est ce qu'on veut. Ok? On veut un retour à l'équilibre. Alors, à voir si ces nouvelles vont correspondre avec ce que vous souhaitez, avec ce retour à l'équilibre. Ok? Alors, il y a peut-être aussi, pour certains, parce que bon, ça vient de m'arriver, mais il y a possiblement ici une affaire, un verdict qui revient. Ok? Par rapport peut-être à un divorce, peut-être par rapport à une séparation, ok? On a un retour ici, on a des nouvelles par rapport à quelque chose d'officiel, une action en justice, ok? Donc il y a un oui, effectivement, il y a un retour sur peut-être une action que vous avez engagée en justice, ok? Alors sur le non. Alors, sur le nom, on a l'union. Pour moi, vous avez. Il y a une hésitation, hein, les lions. Moi, pour moi, il y a une hésitation. Est-ce que ce retour me propose quelque chose qui va être en accord avec un équilibre? Est-ce que je vais retrouver un équilibre dans cette union, dans cet accord, dans cet engagement? Ok? Pour moi, vous recherchez l'équilibre. Vous recherchez quelque chose d'honnête, quelque chose de juste. Et ce qu'on pourrait vous proposer, eh bien, c'est juste, voyez? Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être une union sincère, engagée, officielle, justice, union. Et on vous propose la sexualité seulement, le côté charnel. Et ça peut effectivement ne pas correspondre. On va voir sur sexualité ce qu'il y a. Après, la sexualité, ça peut représenter aussi le plaisir. D'accord? On va voir. Il y a quelque chose d'éphémère de toute façon, ok, là-dedans. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. On a l'épreuve, hein, et la jalousie. Ok. Bon, pour moi c'est ça, c'est que effectivement vous allez recevoir des nouvelles, soit de votre autre, comment on dit, par intermédiaire, ok, ou de réelles nouvelles de votre autre, un réel retour. Mais par rapport à la proposition, on sent qu'il y a une hésitation, ok, par rapport à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez un équilibre, une union officielle, vous souhaitez peut-être un engagement, un mariage, des fiançailles, je ne sais pas. Hein. Et il y a une hésitation. Peut-être que la proposition ici, ça peut être une proposition, ok, retour, on voit le bouquet de fleurs. Hein. Peut-être une proposition ici, hein, de quelqu'un aussi, ça passe, c'est pas. Alors, je dirais que ce n'est pas forcément votre ex. Ça peut être une proposition d'officialisation de votre union. Mais on sent que il y a une hésitation. OK? Ça peut ici engendrer pour vous comment dire, un souvenir. Le souvenir des blessures, okay? Des épreuves que vous avez déjà traversées. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué
peut-être d'accepter cette proposition. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a une hésitation ici. Il y a un équilibre en tout cas à trouver. D'accord? Alors, l'autre cas, c'est effectivement des nouvelles de votre ex. Ici, pour moi, il y a quand même un retour de quelqu'un. Et on voit que ça, il y a ce souvenir des épreuves que vous avez traversées peut-être ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a une hésitation. Et j'ai l'impression, vous voyez, que la carte de l'amitié, de l'évolution, qu'il y a une possible évolution de cette relation, mais plutôt vers de l'amitié. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. On va recouvrir, on va aller voir. Mais c'est un peu l'idée. C'est l'idée que cette nouvelle, ce retour, ne vous propose pas forcément ce que vous, vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est l'équilibre, une union franche, sincère, peut-être, et que ce n'est pas forcément ce qu'on vous propose. Et du coup, vous avez l'idée de faire évoluer cette relation plutôt vers de l'amitié. Ok? Bon, c'est un peu ce que j'entends. On va voir. Alors, il est aussi question, c'est ce que j'entends, d'un apaisement par rapport à quelque chose d'officiel, un jugement, vous voyez, une séparation. On sent qu'il y a un apaisement après des épreuves, vous voyez, de jalousie, des épreuves un peu toxiques, là, hein, des épreuves, des sentiments et des émotions un petit peu négatives, des vents contraires, comme je les appelle. Et là, on voit qu'effectivement, il y a une évolution vers un apaisement qui pourrait passer par l'amitié, avec un ex, par exemple, avec qui il y a eu un jugement, avec qui il y a eu une décision de justice. Ok? Ça, c'est possible aussi. Allez, on va voir. Alors, sur le retour, on a intuition, le féminin sacré. Vous voyez, on a l'impression quand même que le féminin sacré, c'est quelque chose. Alors évidemment, c'est important. C'est le féminin sacré, c'est tout ce qui est tout ce qui a rapport avec avec la féminité, l'amour, la bienveillance, la douceur. Ok, la compassion, mais la patience aussi. En tout cas, quelque chose qui émotionnellement vous remplit, d'accord? Vous équilibre. Et là, on vous dit effectivement, et c'est aussi le côté intuitif, le côté féminin, d'accord? Alors, sur le nom, on a à prendre celle-ci. Ça saute trop ces cartes, en fait. Alors, invitation sortie. Pour moi, effectivement, il y a cette idée de refuser ce que l'autre propose. Ok? Refuser, en fait, soit le retour, parce que ça ne convient pas, en fait, à ce que vous souhaitez. Alors, peut-être, effectivement, qu'il y a une hésitation et que là, on vous dit, écoutez vos intuitions, votre intuition, d'accord? Parce qu'il y a quand même ce souvenir, hein, d'épreuves, des épreuves passées. Là, on vous dit qu'il y a une libération. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a cette idée de se libérer de cette histoire, de se libérer de ce retour de l'ex, si ça s'est mal passé auparavant. Pourquoi? Parce que on va écouter ses intuitions, on va se focaliser sur son équilibre à soi, ok? Et du coup, on va peut-être refuser ce qu'il nous propose, et du coup, ça va effectivement générer une libération. Alors, d'ici cet été, ok, l'été, été, changement. Vous voyez, il y a un déblocage ici. D'accord? Il y a un déblocage par rapport au schéma répétitif. Donc, effectivement, ça va, cette libération, le fait de refuser peut-être ce que vous propose votre autre, enfin, cet ex-autre, va ici opérer comme une libération d'ici cet été et provoquer un changement par rapport au schéma répétitif que vous répétez depuis longtemps. Ok? Ça, c'est possible. Si il s'agit d'une union
officielle, hein, une séparation, une rupture, un divorce, quelque chose qui est passé en justice. Ici, effectivement, on vous dit encore une fois d'écouter votre intuition sur la manière de gérer peut-être cette rupture, ce verdict peut-être, ou la suite à donner à ce divorce, okay? Qui peut passer par l'amitié, qui peut passer en tout cas par une sorte de libération. Okay? Pour certains, ça va jouer comme une libération. Et effectivement, d'ici cet été, on voit qu'il y a des changements, vous rentrez dans un nouveau cycle. D'accord? Bon, on va prendre votre petit conseil pour terminer. Alors, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est l'histoire de dire, ok, c'est pour bientôt la libération. C'est pour bientôt cette bénédiction que vous attendez. Il y a juste ici, peut-être, une nouvelle mise à l'épreuve de l'univers. Ok? Le retour, peut-être, pour certains, d'un ex, pour savoir si vous avez bien compris la leçon. Savoir si vous allez trouver l'équilibre qui vous manque et pouvoir choisir prendre la bonne décision. Et pour les autres, effectivement, il y a cette histoire d'écouter ses intuitions par rapport à une histoire qui vient de s'achever, de choisir peut-être comment dire, direction à donner à cette rupture. À ce lien peut-être qui vous unit encore avec votre ex. D'accord? Il y a une notion de toute façon de libération ici. Okay? On vous parle du temps, on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc laissez-vous du temps, posez les choses, écoutez votre intuition et puis libérez-vous peut-être l'esprit aussi ici. Hein? C'est un peu l'idée, lâcher prise. D'accord? Allez les lions, merci à vous. Bah écoutez, merci comme d'habitude, hein, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci, merci. Et puis, passez une bonne fin de mois d'avril. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, bienvenue au Sagittaire. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec vos énergies sentimentales, celles du 15 au 30 avril. Donc, on va aller voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pendant cette période. Alors, on a l'énergie masculine, ok? Alors, soit vous êtes un homme, et ça vous concerne, soit c'était une énergie masculine, et du coup, ici, on va parler de confiance en soi, de détermination. De mise en action aussi, pourquoi pas, hein, de force, de puissance. On va voir. Alors ici, vous pouvez très bien recevoir des nouvelles d'un homme, ok, ou si vous êtes cet homme, envoyer des nouvelles. On a une période de réconciliation pour vous ici, les Sagittaires. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles, hein, en rapport avec une réconciliation. Vous avez peut-être déjà eu des nouvelles d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous voyez, ça peut être aussi femme, homme. Inverser les polarités, on est dans un tirage général. Hein, donc voilà. Prenez si ça résonne en tout cas. Mais on est dans une énergie, en tout cas, de réconciliation. Ok? Hop. Tombe par terre. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Ok, j'ai bougé un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, effectivement, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une idée d'une énergie de retour à la stabilité, de retour à l'équilibre, ok? Au travers peut-être d'une invitation. Ou peut-être que cette réconciliation va amener deux futures invitations. Okay? On peut très bien parler ici d'une réconciliation avec vous-même aussi, si vous n'êtes pas concerné par un autre, par une autre. On peut très bien ici apprendre des choses sur soi qui vont faciliter la réconciliation avec vous-même, votre unité intérieure et du coup vous permettre d'ouvrir la porte à d'autres invitations, d'autres opportunités amoureuses. Si ça n'est pas ça, c'est effectivement l'idée de recevoir des nouvelles de quelqu'un ou que vous vous envoyez des nouvelles à quelqu'un pour, ici, dans l'optique d'une réconciliation, d'un retour à l'équilibre.
d'un retour à la stabilité, okay? Dans une union, dans une relation déjà existante. Ici, on est dans le cadre, évidemment, réconciliation, ça veut dire déjà une histoire qui est en cours ou qui peut-être qui a été rompue il y a un petit moment. En tout cas, on est dans des énergies de réconciliation. L'invitation, c'est peut-être une proposition de votre part ou une proposition de l'autre à se voir, voyez, à se rencontrer, à se retrouver, à se réconcilier. OK? Ça évolue, hein, ça évolue, on va dire plutôt positivement, puisqu'on a quand même une histoire de lien d'âme. Alors peut-être que vous êtes dans une relation karmique, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment une forte connexion entre vous deux, ici, entre vous et la personne de votre cœur, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Et on voit une évolution possible, on va dire, allez, on va dire d'ici la fin de l'année, OK? Bon, j'ai pas trop loin, on va y recouvrir un petit peu avec d'autres jeux, on va les voir. Mais c'est vraiment une belle énergie que je ressens d'apaisement, d'un retour à l'équilibre, une envie de stabiliser quelque chose qui a été peut-être chaotique pendant un petit moment. Okay? Alors, ceci dit, moi, ce que j'entends, c'est qu'évidemment, avec l'histoire des 4 à 8 mois, il y a une notion de patience. Hein, okay? Une notion que ce retour à la stabilité va nécessiter peut-être une rencontre, le fait de parler, peut-être le fait de s'ouvrir aussi l'un à l'autre, hein, c'est possible avec la carte de l'invitation. En tout cas, on voit bien que ça évolue et ça évolue plutôt positivement. Alors, sur la carte de l'homme, on a secret. Bon. Peut-être ici qu'il s'agit d'une relation secrète, hein, c'est possible. Alchimie. Vous voyez, on voit bien ici. Hein. On voit bien ici qu'il y a une relation de lien d'âme, une relation, alors, bon, karmique, mais en tout cas, une relation de. Alors, j'ai le mot connivence, mais de complicité, une attraction entre les deux. Okay? Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous gardez secret. Hein. Ça se passe dans les coulisses. On va dire que ça ne se dévoile pas au grand public. Et peut-être que cette réconciliation, c'est justement ça qui va peut-être favoriser la réconciliation. Okay? Le fait que ce lien que vous avez gardé secret, peut-être c'est un lien que vous avez toujours gardé, en fait. C'est possible. Entre vous. Malgré le côté chaotique, malgré le côté rupture, je dis ça parce qu'il y a réconciliation. Donc forcément, s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'auparavant, il y avait éloignement. Hein. Donc peut-être éloignement, mais en tout cas, ici, on sent une belle harmonie entre vous deux. On est attirés l'un avec l'autre, on a une complicité, on a un soutien peut-être aussi. On sent qu'on est vraiment en accord ici. Alors, sur la réconciliation. Alors, sur la réconciliation, on sent qu'effectivement, il y a eu, ce que je vous disais, il y a eu ce côté chaotique qui ont ravivé peut-être chez vous des blessures. Hein? Les blessures de l'âme, comme on les appelle. Donc, le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation à voir. Hein? Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a. Il y a cette guérison. Pour moi, il y a une notion de guérison puisqu'on va vers la stabilité et on évolue vers plutôt quelque chose de positif. Donc, il y a vraiment le fait. Alors, on peut aussi avoir des blessures au fond de soi ici. Hein, je ressens que il y a cette possibilité-là, mais avec toujours cette idée d'en guérir, cette idée d'évoluer par rapport à ces blessures. Pour moi, ce sont des blessures du passé. Peut-être de quelque chose que vous avez connu avec votre autre. Ok? Peut-être que vous avez gardé secret, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la relation qui est secrète ici. Hein? C'est quelque chose que vous gardez pour vous. Et peut-être justement que ça favorise cette réconciliation. Ok? Bon, on a quand même la carte de la stagnation. Bon. Et derrière, la jalousie. Alors, effectivement, ici, on a cette idée quand même de se dire que le fait que la relation soit secrète, malgré la complicité qu'il y a entre vous, il y a toujours ici peut-être une petite problématique quand même de blessure. Okay? Alors, on sent que c'est ça qui stagne, hein? C'est ça qui peut-être
va ralentir un petit peu. Alors, c'est pas ralentir la réconciliation, mais plutôt le fait d'être stable dans la relation. Okay? On sent des sentiments un petit peu de jalousie qui sont peut-être dus au secret, qui sont peut-être dus à ces blessures justement que vous avez eues ensemble. Et on sent quand même que c'est une relation qui est protégée, on voit bien, une relation protégée, c'est un lien d'âme, une relation karmique, et qu'ici, il y a un grand nettoyage à faire sur la relation, ok? Il y a vraiment ce grand nettoyage. Il y a peut-être effectivement le fait d'avoir traversé des épreuves, d'avoir sacrifié des choses, connu des dépendances, et on voit bien ici avec la carte de la sortie. Pour moi, sortie, c'est effectivement, c'est les sorties, mais c'est aussi le fait... Je la prends toujours dans le côté, on sort de quelque chose, voyez? Alors, on peut en sortir en s'allégeant, en sortant, en allant s'amuser, bien sûr. Mais il y a ce côté, ok, j'ouvre une porte et je m'en vais, ok? Je sors, d'accord? Bon, en tout cas, on a la carte de la justice qui est pas loin. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver, de faire un grand nettoyage sur la relation, de retrouver... Que cette réconciliation va permettre de faire un grand nettoyage sur la relation et aller vers plus de stabilité, okay? De quitter cet état de stagnation dans lequel on était. Donc évidemment, ça demande du temps. On a vu hein, la période de 4 à 8 mois. Donc voilà, pas d'impatience. On va recouvrir, on va aller voir. Mais on sent que vous allez en tout cas dans cette direction. Alors, voyez, on a un changement. On a un changement par rapport peut-être au fait que ce soit secret. On a un changement sur vous. Alors peut-être que vous, vous décidez aussi, c'est ce que j'entends, de libérer quelque chose. C'est-à-dire... On débloque des choses que l'on gardait au fond de soi. Il y a d'où cette notion de blessure et de réconciliation avec soi-même, qui va participer ensuite au fait de nettoyer le lien, de nettoyer la relation. On sent ici qu'il y a de toute façon une fin de cycle dans une relation. Une fin de cycle peut-être directement chez vous, qui va permettre ensuite cette réconciliation avec vous-même. D'accord? Donc c'est plutôt bénéfique parce qu'on sent que ça évolue, on sent qu'il y a de la progression, on sent qu'il y a de l'évolution par rapport à ce que vous aviez fait auparavant. Et ça, c'est super, vous voyez? Voyage, déplacement. On sent qu'on avance, on avance, on évolue. Alors ici, il est possible, encore une fois, que cette alchimie que vous avez avec votre hôte provoque ici un déplacement. Ou qu'il y ait peut-être aussi une problématique hein, de distance géographique. Ça, c'est possible dans la relation, dans le lien. Mais on voit bien la réconciliation. Okay? Donc pour moi, il y a peut-être un déblocage au niveau d'une situation, au niveau d'une relation, qui va permettre peut-être encore une fois de se retrouver. Hein? Donc ne serait-ce qu'en se déplaçant, en allant voir l'autre, c'est possible. Nouvelle. Donner des nouvelles à l'autre, se déplacer pour aller le ou la voir. Okay? D'accord? Pour effectivement tenter de... alors tenter. C'est pas tenter parce qu'on y arrive, on a la stabilité hein, derrière. Donc se réconcilier. Ok? Il y a une forte envie en tout cas d'aller se réconcilier. Alors sur cette réconciliation justement. Ouais, voyez? Il y a une forte envie, on a un lien télépathique ici. Il y a vraiment une belle connexion entre deux personnes. Pour lesquels sûrement, enfin, il y a eu des blessures sur la relation. Vous avez connu certainement des moments difficiles, chaotiques. On va voir parce qu'on a la stabilité derrière, mais on sent que de toute façon, vous évoluez, ok? Vous évoluez plutôt vers quelque chose qui va être plus apaisé. On a invitation, évolution, ok? Lien d'âme. On voit bien qu'on évolue sur le lien, on évolue sur la relation. En tout cas, c'est une personne à qui vous pensez souvent. Vous êtes vraiment connecté, hein. C'est pour ça qu'on parle de lien d'âme. Il y a vraiment une connexion ici.
Vous vous retrouvez dans les rêves, dans les pensées, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre, voilà. Et quand on est, il y a une belle alchimie. Donc ça veut dire que si vous avez l'occasion de donner des nouvelles à l'autre, on sent qu'il y a une véritable connexion entre vous deux. Voilà, d'accord? Alors, sur cette stabilité, stagnation, amour passionnel, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sentiments, un amour. On parle de l'amour passionnel, donc c'est vraiment quelque chose qui vous rapproche, cette passion. C'est un feu qui brûle à l'intérieur de vous et qui a du mal à. On peut pas. C'est quelque chose de karmique, on ne peut pas éteindre, d'accord? Donc, effectivement, c'est un. Alors, stagnation, je le prends pas au niveau trop négatif, c'est-à-dire que c'est plutôt ces sentiments qui sont là et qui, alors, les sentiments qui stagnent, c'est pas joli, mais en tout cas, c'est vraiment au travers de cet amour que vous trouvez la stabilité, au travers de ce lien télépathique, ce lien cosmique. Ok, c'est beau, hein? Alors après, effectivement, on voit hein, en d'autres decks, on a combativité, détermination, persévérance, c'est quelque chose qui vous demande des efforts. C'est quelque chose qui vous demande de vous battre pour ça. Ok? Quelle que soit l'idée de cette réconciliation, il y a possiblement une réconciliation par rapport à un déplacement, à des nouvelles, à de la distance, ok, que vous avez entre vous, peut-être l'occasion de se retrouver, ok. On fait évoluer le lien, voilà, mais ça vous demande effectivement de vous battre pour ça. Parce que certainement qu'il y a encore au fond de vous des choses que vous gardez secrètes, des blessures, des choses qui ne sont pas encore tout à fait soignées et que vous avez besoin encore de travailler. Ok? Vous voyez, complicité, bienveillance, on sent que c'est quelque chose qui caractérise votre lien, qui caractérise votre relation. Ok? Vœux exaucés, bonheur, retrouvailles, retour. Wow, c'est super. Départ, déménagement. Génial. Les Sagittaires. Ok? Là, pour moi, il y a une belle évolution de relation. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde. Évidemment, on est dans un tirage général. Et derrière, j'ai un nouveau départ. Mais franchement, on sent que vous faites tout pour ça. Vous passez à l'action. Et c'est bien la carte de l'homme, hein, okay, du masculin. C'est ce passage à l'action. On est déterminé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est déterminé, on est persévérant, on est confiant en soi. Et on avance, on met en place des actions pour pouvoir retrouver l'autre. D'accord? Vœux exaucés. Si votre vœu, c'est de retrouver votre autre, d'avoir cette réconciliation avec l'autre, de retrouver, ne serait-ce que physiquement, à travers une distance géographique, eh bien, on sent que vous allez vers ça, okay? Que vous allez tout faire pour y arriver. Alors, vœux exaucés, retrouvailles, départ, déménagement, nouveau départ, vous avez des signes pour ça. Okay? Et on retrouve le masculin sacré. D'accord? Donc voilà, super tirage en tout cas pour vous. On sent que ça avance, ça évolue plutôt dans le bon sens pour cette fin avril. Donc on verra comment ça va évoluer au mois de mai. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est les efforts que vous faites pour parvenir à vous réconcilier. Okay? Si ce n'est pas avec votre autre, c'est de toute façon avec vous-même. Allez, on prend votre petit conseil, union sacrée. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et là, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. C'est beau, hein? Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Seul le temps le dira. Vous voyez, l'idée ici, c'est de retrouver cette stabilité, d'avancer selon ce que votre cœur vous dicte. Parce que vous êtes dans un lien d'âme. Vous êtes dans un lien karmique. Et un lien protégé. Okay? Et là, on va vers le changement. En tout cas, on sent votre détermination et votre combativité, ouais. Toutes les actions que vous mettez en place pour arriver à ça. D'accord? Allez, les Sagittaires, je vous laisse là-dessus. C'est très beau pour vous, cette fin du mois d'avril. Profitez-en. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Merci. Et puis, ben, passez une bonne fin de mois d'avril. Restez positifs et puis prenez soin de vous. À bientôt.